On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third Bonjour, aujourd'hui c'est la réponse aux questions que vous attendiez tous. Vous avez été vraiment très très nombreux, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et j'ai toujours de plus en plus de mal à vous répondre. D'ailleurs vous avez pu, certains d'entre vous ont pu le remarquer via Facebook qu'ils ben, ont posé des questions qui n'ont toujours pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Je suis vraiment désolé, je manque de temps, j'ai eu pas mal de soucis comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Je suis à la recherche d'un emploi actuellement. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé un poste vraiment très intéressant. Voilà, ça, ça avance, il ne devrait pas y avoir de problème. En attendant, j'ai aussi eu l'ordinateur qui a lâché et j'ai dû acheter en urgence un nouvel ordinateur. Sinon, ce n'est pas avec une tablette ou un téléphone portable que j'aurais pu continuer à vous fournir du contenu en vidéo. Quel serpent rêves-tu d'avoir alors euh, moi, ça serait le, il y a quelques serpents venimeux que j'aurais aimé avoir, euh, surtout le Naja Naja Kauta, donc euh, le cobra euh, à monocle. Euh, là actuellement, de toute façon, euh, je n'ai pas de une les autorisations pour posséder des animaux venimeux et de deux, j'en ai pas l'envie de toute façon parce que j'ai des enfants et euh, donc pas d'animaux euh, potentiellement dangereux ou mortels chez moi avec des enfants, hors de question. Donc, euh, c'est ce, ce que je rêverais d'avoir, mais cela ne veut pas dire que je l'aurai un jour. Quelle espèce de reptile as-tu Alors, euh, Damien, euh, si tu t'appelles vraiment Damien, euh, toutes les espèces de reptiles que j'ai actuellement, j'ai eu beaucoup de questions aussi similaires à celle-là. Toutes les espèces peuvent être vues euh, par rapport aux différentes vidéos de la chaîne YouTube. Donc, je t'invite à regarder les vidéos surtout où je présente euh, mon élevage. Il y a plusieurs vidéos sur la présentation euh, de mon élevage de reptiles. Es-tu capacitaire? Sinon, comptes-tu passer le CDC et l'AOE? Alors, euh, non, je ne suis pas capacitaire. Euh, J'ai remarqué que beaucoup de gens pensaient que j'étais capacitaire, mais non. Je ne me présente sur ma chaîne YouTube que des animaux euh, dont les autorisations en France euh, ne nécessitent pas de certificat de capacité. Il faut juste, pour la plupart, un bon de cession pour animaux euh, non domestiques que, que, de toute façon, le vendeur euh, vous fait euh, normalement. Euh, je ne compte pas passer le certificat de capacité parce que pour moi c'est vraiment euh, les, les lois en France. Je ne suis euh, pas toujours pour euh, certaines choses. Je, vraiment, je, je considère que c'est vraiment plus qu'abusif. Il y a des espèces qui se reproduisent très bien en captivité euh, et qui ne sont pas du tout potentiellement dangereuses et qu'on ne peut pas avoir en France euh, sans un certificat de capacité parce que c'est protégé, parce que... À partir du moment qu'un animal est né en captivité qui n'est pas potentiellement dangereux, que les parents sont nés en captivité depuis déjà plusieurs générations, je ne vois pas trop où est le problème. Au contraire, euh, le fait de restreindre en France avec des lois euh, vraiment trop serrées comme ça, ça, ça fait justement, ça provoque euh, plus de. ça augmente le trafic plus qu'autre chose. Euh, je connais pas mal de monde qui euh, passerait pas le certificat de capacité pour se permettre d'avoir euh, certaines espèces euh, même potentiellement dangereuses ou des espèces protégées parce qu'ils veulent pas se prendre la tête avec ça. Sachant en plus que quand on passe le certificat de capacité, on est fiché donc on peut avoir des contrôles régulièrement que si jamais personne n'est au courant euh, on peut avoir un peu euh, tout ce qu'on veut. Après euh, forcément euh, le certificat de capacité, quelque part j'aurais aimé l'avoir acquérir des espèces vraiment différentes et partager ça euh, sur les vidéos de ma chaîne. Mais je ne vois pas trop l'intérêt si vous, derrière, vous n'êtes pas capacitaire. Je ne vois pas trop l'intérêt pour vous euh, que je vous présente des animaux que vous ne pourrez euh, probablement jamais avoir. Euh, voilà, je ne compte pas passer le certificat de capacité, euh, du moins pas pour le moment. Ce n'est vraiment pas un euh, projet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des reptiles bah ben, euh, honnêtement je sais pas trop. Après euh, je suis dans les reptiles depuis toujours puisque enfin j'ai mon père qui est dans les reptiles euh, depuis, depuis ben, plus de 30 ans. Ça fait qu'en en fin de compte, j'ai toujours un peu baigné là-dedans sans trop m'y intéresser non plus, c'est venu progressivement avec le temps. mais ça doit, ça doit quand même être vis-à-vis -vis de mes parents quand même. Je pense pas que si mes parents n'étaient pas dans les reptiles, je ne pense pas que j'en aurais eu, peut-être que ça ne me serait jamais venu à l'idée d'en avoir. Quel est ton plus grand rêve, toute passion confondue? Alors, euh, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une Harley Davidson. Donc, euh, je compte bientôt passer le permis moto euh, pour avoir une Harley Davidson. Voilà, c'est euh, un rêve que j'ai depuis que je dois avoir euh, 8 ou 9 ans. Euh, c'est vraiment, voilà, une Harley Davidson. Alors, elle a quel âge, ta Lemon Blast Je crois qu'elle a pas loin de 2 ans, euh, à peu près. Euh, elle doit être vraiment pas loin de 2 ans. Salut Snake, je te suis depuis longtemps et j'adore tes vidéos. Euh, depuis combien de temps es-tu avec ta femme et combien tu l'as achetée euh, Je suis... Euh... Céline oui. On est depuis quand ensemble 2005. D'accord. Et on s'est marié en quelle année 2007. Ok. Merci. Merci. <laughs> quand tu fais un voyage dans des pays où il y a beaucoup de reptiles, genre l'Australie ou la Chine, euh, oui, on a vraiment des projets de voyage, mais pas pour maintenant. On a d'autres projets en priorité. Chaque chose dans son temps. On voyagera dans bien, bien, euh, dans, dans vraiment pas mal d'années. On ne veut pas voyager maintenant. On préfère, voilà, on a préféré euh, être propriétaire. On a préféré faire des enfants, se meubler, euh, progresser dans la vie, avoir une situation euh, au niveau professionnel euh, vraiment euh, quelque chose de stable. j'adore euh, avoir du concret. Euh, je préfère acheter du matériel euh, que, mettons, me payer des voyages. Je préfère acheter euh, une belle voiture que me payer, mettons, une croisière d'une semaine. Voilà, après, c'est un choix personnel. J'ai des amis, c'est tout le contraire. Ils veulent tout le temps, chaque année, ils se payent des voyages. Je préfère acheter des, des choses physiques, voilà, au départ, et par la suite, bien plus tard, profiter des voyages. Après, au niveau des voyages, ça sera, oui, euh, l'Australie, je veux bien, la Thaïlande. Euh, le, le, le Laos me plairait beaucoup. Euh, et après tout ce qui est euh, le Grand Canyon, tout ce qui est Amérique du Sud, euh, la grande forêt de sequoia aussi. Combien as-tu de reptiles Feras-tu de l'air ping Organiseras-tu une rencontre abonnée Quels sont tes projets de cette année À quel bourse seras-tu présent alors, euh, j'ai quelques projets au niveau reproduction cette année. Si tu parles de mes projets au niveau euh, reptile, sinon euh, j'envisage de trouver un, un boulot stable qui me convienne. Ensuite, euh, au niveau de. Alors, combien j'ai de reptiles Honnêtement, j'en sais rien et je ne vais pas m'amuser à compter. Je dois en avoir une bonne, bonne douzaine. Feras-tu de l'airping Oui, alors déjà j'avais des projets l'année dernière en vidéo de faire de l'airping. Malheureusement, je ne trouvais rien dans la nature à filmer d'intéressant. J'espère que cette année euh, nous procurera euh, euh, bien des découvertes. Au niveau, de... alors, au niveau des bourses, j'irai peut-être à Nîmes en septembre. Par contre, ça ne sera pas le samedi, ça ne sera pas possible pour moi, mais peut-être le dimanche. Euh, donc, euh, la bourse de Nîmes, c'est euh, une des seules bourses qui se trouve d'ailleurs dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle se présente chaque année le dernier week-end de septembre. Sauf que de chaque année, j'y vais le samedi. Cette année, par contre, je pourrais y aller que le dimanche et encore si j'y vais. De toute façon, je vous tiendrai au courant, au courant par vidéo. Au niveau des rencontres abonnées, j'aimerais bien refaire une rencontre cette année et la prévenir sur ma chaîne YouTube bien à l'avance pour qu'encore encore plus de monde puisse venir. Par contre euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer ça sera peut-être carrément une location d'une salle pour être à l'intérieur parce qu'année dernière on était sous la pluie malheureusement. Honnêtement je ne sais pas il faut voir si je peux, si je peux pas au niveau de mon futur travail que j'aurai euh, au niveau des horaires de travail de ma femme donc euh, c'est pas sûr que je puisse faire une rencontre euh, euh, abonnée. Salut Fred! Premièrement, ta vidéo m'a bien fait rire. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la vidéo où je faisais la préparation pour cette foire aux questions. Je vous invite à aller la voir, il y a le lien dans la description. Pour les questions, à quel âge as-tu ton premier reptile? Alors, je vais d'abord répondre à cette question. Mon premier reptile, euh, je l'ai eu quand même assez jeune, peut-être 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus, peut-être un peu plus. Euh, 12 ans, oui, je pense que c'était 12 ans. Des, si je me souviens bien, c'était des anolyses. Euh, donc euh, mon père m'avait fait un terrarium en bois à l'époque. Donc j'avais un grand terrarium en bois dans, dans ma chambre avec des anolis J'arrivais même à cette époque-là à les reproduire. Une incubation en plus euh, un peu naturelle parce que j'incubais les œufs directement dans le terrarium. J'arrivais à m'en sortir très bien. Euh, j'arrivais à nourrir les petits, j'arrivais à faire un petit peu de, de, de reproduction au niveau des grillons, c'était pas mal. Pourquoi as-tu voulu ouvrir une chaîne YouTube Alors ça c'est une très bonne question. Ça fait des années que je regarde des vidéos de reptiles sur YouTube et ça fait des années que je me plains qu'il n'y a pas de contenu en France au niveau des reptiles. Enfin à l'époque il n'y avait pas de contenu, vraiment très peu de contenu il y a deux ans en arrière. Le peu de chaînes qu'il y avait ne me convenait euh, pas du tout, ou presque pas et euh, c'est là que j'ai vraiment voulu me lancer euh, là dedans et c'est un peu sur les vidéos euh, de Reptilobby qui poste malheureusement pas beaucoup de vidéos euh, c'est un peu son style de vidéo où il montrait chez lui comment il faisait que c'était ses méthodes à lui j'aimais bien ce concept de vidéo et je voulais vraiment faire pareil euh, au niveau des vidéos et je me suis dit ben moi j'ai pas vraiment de chaîne YouTube que je suis malheureusement sur les reptiles mais au moins des gens pourront me suivre, mais je croyais que j'allais me faire massacrer, insulter, euh, vraiment traiter de tous les noms. Et je croyais que j'allais arrêter la chaîne au bout d'un mois, un mois et demi. Mais en fin de compte, euh, ça a été tout l'inverse. Euh, J'ai vraiment eu euh, énormément, énormément d'encouragement. Les abonnés sont venus euh, progressivement. Vous êtes venus toujours de plus en plus nombreux. Et à l'heure actuelle, on est à peu près euh, 700 abonnés de plus qui viennent me suivre euh, chaque mois sur ma chaîne. Donc, il y a quand même une, une, une avancée, euh, je trouve vraiment euh, super pour une chaîne dédiée aux reptiles avec une communauté assez restreinte. Je trouve ça vraiment excellent d'arriver quand même à, à faire ça en France. Quand tu achetais un Morelia Veredis, que tu avais dit pour le mettre dans le petit terrarium, encore inutilisé, il me semble. Sinon, continue comme ça, tes vidéos sont super. Merci! <laughs> Alors, euh, Morelia Veridis, non, ce n'est pas du tout une espèce qui m'intéresse euh, pour chez moi. C'est une espèce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder. C'est une espèce que je trouve très jolie. Mais je ne me vois pas euh, élever euh, ce genre de, de serpent. Voilà, mon, mon père en a un, donc je pourrais toujours essayer de vous faire d'autres vidéos là-dessus, parce que je vous l'ai déjà montré euh, sur une ou deux vidéos de ma chaîne YouTube. Euh, donc il ne sera pas non plus dans ce terrarium que je n'utilise toujours pas d'ailleurs. <laughs> Mais euh, voilà, pour l'instant, je, euh, je manque énormément de temps et je ne peux pas me permettre de me lancer dans de nouvelles espèces qui demandent vraiment des conditions complètement différentes de ce que je peux pro proposer à l'heure actuelle dans, dans mes installations. Prépares-tu un nouveau terra pour Big Mac quand il sera plus grand Alors euh, non. Parce qu'il a atteint une taille quasiment adulte, il va quasiment plus grandir du tout. Et il s'avère qu'en fin de compte, c'est vraiment largement suffisant pour lui euh, au niveau des observations que j'ai pu avoir avec cette espèce. et Au, au niveau de ce que les éleveurs euh, que je connais personnellement euh, de, de Varan Exanthematicus m'ont mon conseillé, je suis vraiment très bien euh, dans, les, dans, les, dans les normes. C'est un varan qui dort, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, qui passe sa journée entière à dormir. Donc il, il sort de son terrier le matin à la fraîche pour aller prendre la chaleur au point chaud. Il y reste une ou deux heures et il sort un peu le soir pour retourner au point chaud juste avant d'aller se coucher. Ce n'est pas du tout une espèce active comme certains varans australiens par exemple qui ont besoin de beaucoup de place avec euh, en plus que le varan soi-même en étant plus petit a besoin de beaucoup plus de place. Salut Fred, tout d'abord je voulais te dire un grand merci pour les vidéos que tu nous fais. Grâce à toi j'ai appris énormément de choses sur le Python Régis. J'adore tes vidéos, tu es mon youtubeur préféré. Merci. Merci beaucoup euh, Thali euh, Reptile. J'aurais aimé savoir si tu allais nous faire des vidéos sur un suivi sur ta saison de repro 2016 en Régis, nous montrer toutes les étapes de la reproduction à la naissance des petits. Oui, je voulais vraiment faire, nos... en fait, je voulais faire une vidéo sur la reproduction et une vidéo sur la, sur la génétique des serpents en général. Euh, ça va demander beaucoup de temps et je voulais le faire faire... me faire aider par un professionnel comme Guillaume Capéran. En ce moment, je manque trop de temps pour le contacter, voir ça avec lui, filmer, tourner, passer les week-ends à faire des choses comme ça. Là, je ne peux pas me permettre en ce moment de, de tourner des vidéos comme ça, mais il y en aura dans le temps, il y aura des vidéos comme ça, oui. Étant donné que tu n'as plus de travail, pourquoi ne pas essayer de faire plus grossir ta chaîne et en faire ta source de revenus Alors... J'ai du travail, je ne suis pas un clochard. <laughs> j'ai donné euh, ma lettre de démission parce que j'ai décidé, après 12 années dans la même société, de, de, de changer, de voir autre chose, de trouver une boîte où j'aurais peut-être plus de chances d'évoluer, plus de chances euh, voilà, de, de m'investir. De... C'est ce que je recherche actuellement. Je, je trouve qu'il arrive à un âge, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Euh, voilà, j'ai bientôt 31 ans. Et pour moi, c'est très important de, de, de changer. Voilà, je voulais vraiment changer de vie professionnelle. J'ai d'ailleurs euh, plusieurs grosses opportunités en plus euh, actuellement. Euh, je suis d'ailleurs surpris euh, du nombre d'opportunités que j'ai pu réussir à avoir en si peu de temps. Euh, notamment une, une société qui m'intéresse vraiment beaucoup et j'attends une réponse. J'ai passé un entretien, ça s'est très bien passé. Mais actuellement, je, je travaille toujours, je suis en préavis. Et normalement, j'aurai euh, du boulot sans problème euh, juste après euh, mon préavis. Pour euh, vivre de YouTube, c'est très très compliqué. On ne peut pas y vivre de YouTube comme ça. Il faut savoir se démarquer. Et je ne pense pas qu'une chaîne sur les reptiles qui vise une communauté trop restreinte puisse nous permettre de, de gagner assez d'argent pour pouvoir en vivre. YouTube me permet de me faire un petit peu d'argent poche, me permet de d'augmenter en fait, d'acheter du matériel qui augmente la qualité des vidéos. J'ai eu beaucoup de chance parce que au début de ma chaîne, quand j'ai commencé sur YouTube, il y a un abonné qui m'a contacté et qui m'a fait le don de cette GoPro Hero 4. Et ça, ça m'a permis déjà de vous proposer du contenu de qualité. Mais moi après derrière le matériel, je, je l'achète. Euh, et c'est vrai que en fait l'argent que je gagne euh, me permet pas du tout euh, de, de, de me faire plaisir en fin de compte à côté de YouTube. C'est-à-dire je prends cet argent pour euh, la chaîne YouTube. Est-ce que c'est bien pour un débutant de commencer par un panthérophys Guttatus Ghost Alors qu'il soit ghost ou autre chose, ça reste un panthérophys Gutatus, c'est très bien pour euh, débuter dans les reptiles. Euh, ça te permet d'avoir un serpent très bon mangeur qui supporte, euh, enfin qui tolère un minimum la manipulation sans trop de stress, qui supporte un petit peu les erreurs de débutants au niveau des températures ou quoi. Bon, il faut toujours faire ça bien, toujours avoir le terrarium euh, bien aménagé avant d'avoir l'animal. Mais après, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une espèce pour débuter. Et même si à la limite un jour tu te fais mordre, ça fait vraiment, vraiment pas bien mal. Que penses-tu des produits commercialisés pour désinfecter les terrariums Alors, moi, je ne les utilise pas, je ne les ai jamais utilisés, donc je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Peut-être que je vous ferai des présentations plus tard sur des produits vis-à-vis -vis du site Zomalia par rapport à, à des produits pour nettoyer justement les terrariums, donc les éléments de décoration, les vitres, tout ça. Moi, personnellement, je, je nettoie comme je peux avec de l'eau, je frotte, tout ça. J'utilise pas de savon, j'utilise pas euh, de produits euh, euh, bizarres ou je sais pas quoi, non. Après, j'utilise du vinaigre blanc pour nettoyer les vitres et euh, le carrelage. Parce que comme j'ai les terrariums qui sont carrelés, euh, quand je lève le substrat, je peux nettoyer le carrelage avec du vinaigre blanc. L'huile de nuit est-il vraiment un produit miracle dans la terrariophilie Alors je pense que oui, c'est un produit vraiment très très bien, mais il faut, pas, il faut vraiment mettre la dose. Il faut faire ça sur vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, c'est un produit qui n'est pas cher, qui est 100% naturel et... et totalement inoffensif pour les reptiles. Par contre, c'est un produit qui a une forte odeur. Moi, personnellement, pour moi, le top, à chaque fois que j'ai eu des Acariens, j'ai pu m'en débarrasser vraiment de suite sans avoir de retour possible grâce au Taurus, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que l'huile de Nîmes. Le Taurus, je ne l'achète pas sur des sites de vente en ligne de d'autres choses que le Taurus en soi-même. Enfin, j'achète directement à la source le Taurus. Voilà. Je le reçois sur le bain le lendemain. Je crois que c'est décollé en 24 heures. Je reçois ça. Je fous une dose dans tous les terrariums. Ça fout des acariens blancs partout. C'est impressionnant. On en voit plein sur les vitres la nuit en train de galoper. Et si euh, le terrarium on humidifie un petit peu le substrat tous les jours, le taurus dure quand même euh, vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et euh, ça élimine vraiment la totalité des acariens noirs qu'on peut trouver. Enfin, moi personnellement, ça a toujours marché à 100%. Si tu ne travailles plus, pourquoi tu n'essaies pas de travailler dans une animalerie spécialisée dans les reptiles Alors, euh, à l'origine, je suis chaudronnier métallier, je gagne un revenu euh, quand même qui me permet de. Euh, je... Je ne touche pas des milliers de c'est pas pour me vanter ni rien, surtout pas, mais je touche plus qu'un SMIC. Euh, J'ai une possibilité d'heures supplémentaires, je suis payé de l'heure, je ne suis pas mensualisé par mois. Et euh, je, si je travaille dans, dans une animalerie, euh, je risque d'être avec un salaire très très proche du SMIC. Euh, retomber euh, très proche du SMIC euh, me gênerait un petit peu honnêtement. Euh, ensuite, pour travailler dans les reptiles, ça me gênerait pas de me taper un salaire plus bas que celui que j'ai actuellement, ça c'est sûr parce que c'est par passion que je le ferai. Et il n'y a pas, c'est pas toujours une question de pognon dans la vie. Il faut être bien là où on travaille, il faut se sentir bien. Le problème des animaleries, c'est qu'elles sont ouvertes aussi euh, le week-end, notamment le samedi. Euh, je me fous de travailler le samedi, je me fous de travailler dimanche, je me fous de travailler la nuit, le matin ou le soir ou l'après-midi. Le problème c'est que ma femme est déjà dans le commerce et travaille les samedis, ce qui fait que je n'ai personne pour garder les enfants. Et donc si j'ai un salaire euh, beaucoup plus bas et que derrière je dois payer quelqu'un pour garder les enfants, ça commence à devenir euh, un peu plus serré. Euh, <laughs> voilà, il faut quand même que je m'en sorte dans la vie. Donc, euh, je préfère faire le choix d'être euh, dans le bâtiment d'être ouvrier, de toucher un peu plus et de ne pas travailler les week-ends, ce qui me permet de garder les enfants comme ma femme euh, travaille. Voilà, euh, en gros, c'est ça l'histoire. À ah, que coucou Fred Moi, j'aimerais savoir s'il si est possible éventuellement d'émettre l'hypothèse éventuelle que nous ferons une vidéo sur la poussée de. <laughs> Déjà répondu <laughs> Aimerais-tu avoir des lézards du genre Felzuma, Eublepharis 5 ou iguane Alors iguane j'ai déjà parce que Stenosaurus pagyaris sont des iguanes. Ce sont des iguanes noirs de la famille des Stenosaurus, mais ce sont des iguanes. Donc j'ai bien des iguanes. C'est des iguanidés. Ensuite, Felzuma, ça ne m'intéresse pas. Eublepharis non plus. Et 5 j'en ai déjà. J'ai du, du Tilica sensoïdes sensoïdes et du Tilica sensoïdes intermédia. As-tu d'autres animaux que les reptiles PS, je t'adore alors euh, merci beaucoup biscott <laughs> alors oui j'ai d'autres animaux en dehors des reptiles euh, je... voilà chaton alors il s'appelle jean comme euh, dans tekken jean euh, kazama pour ceux qui jouent euh, au jeu tekken voilà jean il a 9 ans c'est un bon gros chat euh... <laughs> et voilà wendy le lapin bélier de ma femme. Alors, je ne vais pas vous attraper euh, le cochon d'Inde qui s'appelle euh, Azuka parce qu'elle est euh, tout simplement euh, ben, très peureuse et, et moi, elle me connaît encore euh, beaucoup moins. Voilà. L'espèce de tes rêves. Hydrosaurus Whiteberry. Dans tes reproductions, auras-tu du laisser, Mojave et Cinnamon Alors Cinnamon non, mais laisser et Mojave, il y en aura probablement cette année pour 2016. Oui. Ah ah ah, excellente vidéo, très poétique. Merci. Pourquoi tu as 4 heures Parce que... J'ai un max de questions pour toi vis-à-vis -vis des pommes de terre en captivité. Alors, euh, oui, pour maintenir des pommes de terre en captivité, c'est quand même assez difficile. Euh, je vous conseille d'aller voir le film Seul sur Mars, qui explique très bien comment reproduire la pomme de terre en captivité, fer, en faire son meilleur ami pendant 3 ou 4 ans et comment le nourrir avec de la merde. Faut que tu me donnes ta recette. Alors tu veux la recette du méga Big Mac de chez Snake Reptile ou tu veux une recette pour... Une méga recette de quoi Lors de ton autre FAQ, je t'avais demandé pourquoi tu gardais des reptiles uniquement dans ta chambre. Tu avais répondu que c'était pour ne pas que les gens, les voisins, tout ça, euh, les voient. Euh, quand ils rentrent chez moi, sache que j'ai des reptiles. Si jamais ils étaient amenés à rentrer chez toi. Alors, euh, pourquoi ce changement d'avis Pourquoi as-tu décidé d'envahir petit à petit tout ton appart Alors, déjà, je n'ai pas envahi mon appartement petit à petit il y a juste un peu le salon, le couloir et la chambre. Hein J'ai d'autres pièces chez moi. Il y a un peu euh, aussi. Hein voilà. Le, le truc, en fait, c'est que les serpents resteront toujours dans la chambre parce que c'est ça qui fait vraiment peur aux gens. Les lézards, ça passe beaucoup mieux. Ce qui m'a permis d'avoir un... comme par exemple le terrarium qu'il y a dans le couloir, je trouve que c'est magnifique quand on rentre dans un couloir d'avoir un pan de mur comme ça avec des iguanes à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. Et voilà, j'espère que cette vidéo FAQ qui m'a pris beaucoup de temps au montage, beaucoup de temps à filmer. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas vu leurs questions apparaître dans cette vidéo. Vous comprenez bien que j'ai eu énormément de commentaires et que je ne peux pas me faire me permettre de faire une vidéo qui va durer des heures, des heures et des heures. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi les mercredis qu'il y a des vidéos de temps en temps de 3 minutes, de 4 minutes sur la présentation de produits qui pourraient vous intéresser éventuellement. Euh, N'oubliez pas aussi de passer faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui parle de choses un peu extraordinaires, de records du monde, de choses comme ça. Il y a des belles photos, hein, si vous aimez. Euh, voilà. Il y a quand même de très belles photos. N'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre le pouce bleu pour le soutien. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. C'est vraiment la récompense du youtubeur. C'est vraiment euh, le, le mieux euh, pour que je puisse me faire connaître, de pouvoir évoluer, pouvoir aider les gens. C'est toujours le partage. N'oubliez pas donc de partager. Cette chaîne YouTube à vos amis, à vos proches dans les réseaux sociaux mais aussi de partager ma deuxième chaîne YouTube aussi à vos proches, à vos amis et dans les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.